tous, c'est Sarah, je suis avec Sanda. Et oui, et on se retrouve pour l'épisode 3 de Pocket Morty. Apparemment ça vous a plu pas mal le premier épisode, on a les retours déjà. Parce qu'on tourne juste après avoir posté le premier épisode, donc c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors Sandar elle est pas au courant, du coup c'est intéressant bah, pouvoir un peu découvrir comme vous. J'ai augmenté mes Morty parce qu'on a trop galéré, vraiment trop galéré dans l'épisode 2. Alors, je crois que c'est l'épisode 2, c'est ça. On a trop galéré, mais vraiment trop. Donc pour que ce soit plus sympa à regarder aussi, puis pour que moi ce soit plus fun, j'ai augmenté ma Morty en caméra. Ça a été très chiant, j'ai passé là 2h30 là, juste avant. Donc ça m'a un peu énervé, mais bon c'est comme dans Pokémon, hein, Faux-Pex, c'est Morty. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, et j'ai aussi fait des fusions d'objets. Je me suis spoilé sur internet pour voir un petit peu les recettes, parce que c'est un petit peu aléatoire. Et j'ai réussi à fabriquer des trucs. Mais d'abord je vais vous montrer ma Morty. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait plusieurs dimensions en me battant contre des mortis et forcément j'ai pexé, je suis aussi mort, j'ai trouvé beaucoup d'objets et beaucoup de schmeckles. Donc déjà en schmeckles j'en ai beaucoup. Est-ce qu'on va on rappelle quand même ce que c'est les schmeckles? Les schmeckles c'est la monnaie dans le jeu et j'ai aussi remarqué que du coup on avait essayé de placer de l'argent à la fin de l'épisode 2 et ça marche. Du coup là j'ai replacé encore de l'argent. J'ai placé les dépôts. Voilà, le son est un peu fort pour nous, hein. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai placé de l'argent. Quand on met 100, on a 150. Quand on met 100, on a 225. Et quand on met 100, on a 700. Ah, mais oui. Faut attendre 24 heures. Donc effectivement, ça marche. Le temps défile bien sur émulateur Android. Donc c'est cool. Et je suis à 4790 Schmeckles. Parce que juste en me baladant et en tuant des dresseurs, forcément. Alors que j'étais dans les, je sais plus, 300, un truc comme ça. Ouais. Et qu'un sérum coûte super cher. Du coup, là, je peux en acheter plein. Cool. Ce qui a été super intéressant, c'est que j'ai trouvé aussi en battant contre un dresseur, il y en a un qui m'a filé une puce manipulateur de Morty. Donc j'ai pu choper un autre Morty. Donc, je suis super content. Oui, j'ai vu ça avec t'en avais un nouveau. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai chopé forcément un Morty de type que je n'avais pas, c'est-à-dire un Morty publicitaire de l'espace. Qui est de type papier. Cool. Et du coup, j'ai monté mes autres Morty, vous voyez, niveau 9, 10, 10, alors qu'ils étaient niveau 6, un truc comme ça. Donc là, j'ai des Morty vraiment forts, j'en ai 4. Et j'ai trouvé beaucoup d'objets, forcément des objets à la con. Et du coup, j'ai pu fabriquer des puces manipulateurs de Morty. Donc j'ai 4 puces manipulatrices de Morty. Donc on va pouvoir choper des Morty. Exactement. Alors les puces, ça se crée avec une batterie surchargée. Donc ça, c'est une batterie plus un tube fluorescent. Là, Alors montre peut-être les items qu'on voit bien. Montre les items qu'on voit bien. C'est très bien, Sandrine. Oh, je t'avais voir ton prénom. Ouais. T'es obligé de le garder. Attends, qu'est-ce que... Non, okay. Objet, c'est où? C'est là. J'ai vraiment du mal avec leur menu. Alors du coup, alors j'ai créé 4 puces manipulatrices. Donc on combine une pile avec un tube de jus turbulent, ça fait une pile surchargée. Ouais, et ensuite, trouvé tout seul. C'est ça. Et la pile surchargée plus un circuit imprimé plus une boîte de conserve, ça fait une puce manipulatrice de Morty. Et j'avais 4 boîtes de conserve, donc j'en ai fait 4. Et tu vois, j'ai 10 sérums. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé. Donc je suis plutôt content. Ouais. Donc écoutez, on va essayer de se battre un autre dresseur. On va donc là mes Morty sont soignés, je recommence. J'ai mon niveau 7 en premier forcément pour essayer de le faire. Ouais, wow. D'accord. Non, c'est sympa cette dimension. Et pourtant j'ai fait beaucoup de dimensions pour m'entraîner et j'ai pas connu celle-là avec des espèces de tétés là, des tétés avec des poils sur le téton. C'est vraiment trop joli. Bon bah on va se faire des dresseurs, de toute façon on n'a pas le choix. Parti. On va essayer d'éviter les dresseurs, de toute façon là c'est pas la peine de pex donc. Vous allez voir, c'est vraiment facile quand on est niveau élevé de se battre. C'est quoi ces mamelles? Morty prototype, ouais, j'en ai croisé quelques-uns. Et donc là, j'ai le Morty publicitaire de l'espace. On va lui faire un type normal, du coup, en attaque. Parce que c'est un type plante. type papier. Ce n'est pas Pokémon. C'est clair, je suis trop dans Pokémon, c'est un truc de fou. Attaquer, hop. Tu vois, là, c'est le Morty le moins fort que j'ai, c'est un niveau 7, et tous les Morty qu'on croise sont niveau 5. Ce que j'ai vu aussi, c'est quand j'ai eu un Morty de plus, et bah tous les autres dresseurs, du coup, ils avaient un Morty de plus. Voilà, ils en ont un de moins que moi. Mais même quand j'en chope un, là. Et il est niveau 8, du coup, mon Morty publicitaire, c'est cool. Bravo. Mais vas-y, je continue avec le même Morty, je m'en fous. En plus, c'est un type pierre, donc on va utiliser le type papier. Et bam, ça fait bien mal. Wow, on avait observé ça quand tu avais eu ton troisième Morty. C'est ça. Forcément, ils ont un Morty juste en dessous de toi. Ce qui est un peu comme dans Pokémon d'ailleurs. Ouais. Il a deux fois le même. Ouais, mais on s'en fout, on est ouf. On fait juste avec un seul Morty sur quatre, on arrive à battre ces trois dresseurs, donc c'est très bien. En sachant qu'on a beaucoup de sérums, que j'ai chopé un sérum du coup dans la dernière phase de pex de mes Morty, j'ai chopé un sérum et ça m'a mis un message que j'ai pas eu le temps de lire, mais du genre soit j'arrive pas à le récupérer parce que je suis au maximum, parce que j'ai 10,
Soit il a été envoyé dans un autre truc, j'ai pas compris. Mais en gros, je peux pas. Je peux pas le récupérer. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. C'est 10 maximum. Je sais pas si c'est pour tous les objets, mais. Alors, le Morty Moustachu, est-ce qu'on se le prend? Oh, c'est toi qui vois, hein, tes préférés. Bah, je sais pas, Morty Moustachu de quel type il est, mais je crois qu'il est type ciseau et j'en ai pas. Ah oui, exact. Donc pourquoi pas se prendre un petit type moustachu du coup, parce qu'on a des puces. Et là, tu mets pas. Tu le soignes pas, toi? Moi, je m'en fous. Ah, ils sont cool. Il est comme ça. Ouais, mais j'en ai plein des Morty, donc là, du coup, je les sacrifie. On va prendre le petit niveau 9, on va pas lui faire trop mal non plus, on va essayer. Et t'as envie de prendre un type pierre? Bah, non, je vais faire trop mal. Ah oui, d'accord. Bah, oui, c'est peur, vrai, quoi. C'est comme Pokémon. Ah, je vais en faire deux, je pense. Je pense deux attaques, ça passe. À moins que je fasse une critique, mais je pense pas. Bah, je pense pas, j'en sais rien. Ouais. Oh mince. Bon, bah, pas de Morty Moustachu pour cette fois. Dans ta tête, ouais. Un circuit imprimé, c'est cool. Si j'ai une boîte de conserve en plus, je pourrais avoir un. Ouais, des piles, j'en ai plein, par contre. Il est vraiment dégueulasse, celui-là. Bloop n'aime pas Rick. Bloop veut donner une leçon à Rick. Et t'as vu son nom, il était pas écrit pareil. C'était Blue BLUE et après BLUE. Ah oui. Ah bah on peut le choper, c'est chiant ça. Ouais, c'est dommage, un Morty décolleté en plus, c'est trop mignon. Ouais. Il faut retenir que les Morty décolletés sont de type ciseaux. Exactement. Parce que ce sont des coiffeurs. Je suis sûr que c'est ça. C'est comme tous les coiffeurs sont gays, et ben ils ont eu un Morty avec un décolleté. C'est gentil, mais non, mais c'est pour rigoler, c'est bon, mais non, mais le. Oui, mais oui, tu m'as compris quoi. Et, ils ont une petite langue comme ça, quoi. C'est Morty avec des décolletés. Tenue de peau, il me fait trop rire. Bah, tu vois, c'est pareil. C'est un Morty un peu gay. Mais non, voyons. Tenue de peau, non. Mais putain, pourquoi je rate toutes mes attaques? C'est n'importe quoi ça. Mais t'as vu, quand t'as un niveau 9 face à un niveau 5, tu prends pas du tout. J'ai loupé deux fois mes attaques et tout, ça me fait rien quoi. Je m'étais donné comme objectif voilà, d'en passer au moins un niveau 10. J'en ai passé deux sans le vouloir, entre guillemets, parce qu'ils sont passés tous les deux niveau 10 en même temps. Du coup, j'ai dit c'est bon là, on est paré pour battre. Alors je crois qu'il faut encore 3 badges ou 4, donc battre 4 Morty, Rick, pour pouvoir battre un membre du conseil à nouveau. D'après ce que j'ai lu sur une pancarte ou je sais plus. Pinson, c'est bien vieux ça. Oh, un PV, t'es sérieux. Ah! Brim! Voilà, 90 Schmeckles. Donc on gagne vraiment voilà, 90 Schmeckles à chaque fois. Alors tu vois, presque 100, donc tu vois, une dizaine de combat et t'es pareil quoi. Donc là on peut déjà se faire l'arène. Ah, il y a un petit tube de jus turbulent, on va se le prendre. Ouais. On peut déjà se faire l'arène. On va peut-être voir s'il y a des mortis sauvages. Avant, on va peut-être pas se prendre. Ah, il y a un John Lennon là. Hippie. Alors, 120 Schmeckles, une méga graine de vitesse, un tube de jus turbulent. On va essayer de se faire le hippie là. C'est un type Imagine quoi all the people. Morty pacifiste. Est-ce que je me le prends? C'est un type papier. Ouais, je peux me le prendre, de toute façon j'ai plein de... T'as de la place dans ton Pokédex. C'est enfin, dans mon... Mortidex. Ouais, et puis j'ai pas mal de... Mortipad, quoi. De puces de Morty. Donc je pense que je vais me le prendre parce qu'il a un style vraiment cool, tu vois, donc... Oui, bon. Là, je pense qu'il est... Il disait calme. Est-ce qu'on peut les renommer comme dans Pokémon? Je ne crois pas. Ça nous le proposerait, à mon avis, on a peut-être un PNJ qui nous permet de le faire. Ouais. Oui, on l'a. Yes. Mais, en tout cas, normalement, ça nous proposerait, dans Pokémon, ça te propose de le renommer directement. Oui, et voilà, vrai. Et là, non. Donc, non. Ok. Ça fait beaucoup de mortiers. Alors, le dresseur, il est tourné vers la gauche, d'accord. Là, le dresseur, je peux pas passer. Là, je peux passer là-haut. Ah, bah voilà, je peux me faire une nouvelle puce si je veux. Donc, ça, je les ferai hors caméra, bien sûr. Hein. Ou je peux vous montrer prochaine fois. Quoi. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble la fabrication d'un item. Un item qu'on connaît. Pff, merde. J'avais pas vu. Oh, il est trop mignon. Flo Pentin sa doperli dougali gonaric. Tout n'a pas été. Sok mugna. Ah, c'était de l'anglais. C'est pas de l'anglais. Si. Mais non. C'était de l'anglais en version extraterrestre. Ah oui. C'est de l'anglais quoi. Ça, tout n'a pas été traduit. C'est bon. Peut-être lancer notre petit Morty le pacifiste. Voir ce qu'il vaut.
Exactement, c'est un type papillon. Oh, il est classe de dos avec les dreads. Bah, pas les dreads, évidemment, mais les cheveux longs. Si, c'est des dreads, hein. C'est des dreads, tu penses? Ouais. Ouais, tu penses, ouais. Ah, un petit câlin? Un câlin, du coup. C'est... En plus, c'est marrant, c'est un Morty autodéfense contre un Morty le pacifiste. C'est l'inverse complet. Mais on va le battre, donc c'est assez drôle. Fais un câlin. Enfin, un câlin, un mec qui fait de l'autodéfense, ça le déstabilise trop. Ouais. Oh, what the fuck, les amis? C'est... Oh, mais je veux trop Morty le lapin. Trop chou. Ah, c'est des ciseaux, donc on va changer. On va mettre un petit type pierre niveau 10, un petit Morty débraillé. Le premier que tu as eu. Exactement. Bah, le premier. Que j'ai attrapé. Oui, que tu as. Attention, sois clair dans tes explications, Sandar, parce que ça va pas le faire sinon. Pardon. Maître Dresseur. Maître Kenobi. Maître Morty. Maître Rick. Maître Rick, ouais, ça me va. Allez, c'est trop easy pour moi. Mais non, mais d'où? Il va me grignoter. Et il rate aussi, donc tout le monde rate ses attaques. Bien, un tour pour rien. Voilà, je rate mon attaque. Et lui, pas. Pourquoi je rate mon attaque? Parce que j'ai pas assez de précision, est-ce ça? Moi, je suis à 95% en précision, attends, il faut quoi? Ah, quand même. Et du coup, je crois que ça me bouffe des PA, même si j'utilise pas l'attaque, ça me le bouffe. Oui. Donc, bah ouais, mais bon... Donc là, j'utilise la technique qui est pareil dans Pokémon, c'est-à-dire que je vais mettre un Morty. Je change à chaque fois de Morty pour mettre Morty le pacifiste. Exactement. Je veux pas le faire combattre, je vais directement faire changer. En fait, je perds un tour, mais au moins, ça lui donne un tout petit peu d'XP. C'est pas négligeable. J'ai fait ça pour essayer de Pex, mais plus bas niveau, ça a marché. T'as pris de la pierre contre... Ah, je m'en fous. Ah, ouais. Je suis niveau 10, c'est niveau 5, je fais fléau. C'est une attaque qui n'est pas typée. Et zbrup. Zbrup. Zbla. Non, zbrup. Tu confonds souvent, hein, zbrup et zbra. Pardon. Zbra, c'est quand tu fais une attaque. Zbrup, c'est quand tu fais une attaque dévastatrice. Ah oui, d'accord. Ouais, mais les gens ne savent pas ça. Non, on sait pas. Ah oui. Allez, mon gars. Elle a niveau 11, bam, non. Non, on gagne très peu d'XP, on a niveau 10, ça fait pouf. Ouais. 75, mec, là aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a par là? Me dis pas que je suis venu là pour rien. T'es venu là pour rien. Ok! Des petits lags qui font plaisir. Oh, damn. Oh, damn. Bon, on va se faire l'arène. Bah ouais, allez. C'est parti. Oh, il a un... Il a un masque. Il a un Morty en blouson de cuir, là, je les aime pas ceux-là. Il est trop mignon son masque, ouais. Avec le super fan. Tes Morty ont l'air tellement cool, laisse-moi les voir. De quoi? C'est un bonnet plutôt. C'est un bonnet? Oui, c'est un... oui, t'as raison, c'est un bonnet avec les petits. Il y a même l'étiquette et tout. C'est trop. Le tag. Donc on a notre Morty de merde. On va changer. Ça sert à rien de le. C'est comme tu les soignes tes Morty en fait. Je vais pas les soigner, je pense pas que j'ai besoin pour l'instant. Ah d'accord. Bah à niveau 7, je suis pas sûr d'avoir besoin. Ouais, on va voir, on va voir. Pour l'instant, on fait du... On va essayer de battre le premier. Au pire, on pourra garder celui-là en tank pendant qu'on soigne les autres. On verra. Mais... Ça se passe bien. Donc tu vois là avec des mortilles de haut niveau là tu vois on fait le niveau sans problème quoi, tout le monde sans problème, donc on pourra au moins aller jusqu'au prochain truc de l'arène. On va changer pour prendre le morti là, le morti à fourchette, le morti normal, et on change et on remet le morti à fourchette. En fait je pense qu'ils le morti blouson noir, ouais. Je pense qu'ils sont inspirés de Pokémon noir et blanc pour non, peut-être même de Pokémon Soleil et Lune pour leur nom de Pokémon, parce que les Pokémon qui ont des noms d'objets, le château de sable et compagnie, les Marty à fourchette. Ouais, je pense qu'ils ont fait plusieurs mots lambda dans un. Je pense qu'ils sont, ouais, ils sont marrés. Et ils ont tiré au sort. On va soigner. On va soigner. On va commencer à soigner parce qu'on va avoir besoin. On va soigner notre Marty débraillé. Voilà, comme ça. Ils seront bien. Ouais. On va soigner notre Morty à fourchette. Maintenant. Donc, effectivement, le sérum, tu vois, j'en ai utilisé un. Là, je suis à 9. Donc, il n'est pas venu, celui qui était que j'avais chopé en plus. Là. Donc, je sais pas où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'il a été bouffé, bah, où est-ce que j'ai pas pu le ramasser. Je sais pas trop. Donc, là, on est bon. On est très bon, là. On est. On est bien, bien, bien. On est bien, bien, bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Hop. Allez. J'aimerais bien voir le blouson noir, je trouve super classe. Ouais, il est classe. On va remettre tiens, le Morty pacifiste.
boy, Morty, get him, Morty. Voilà, et on change, et on va remettre le Morty débraillé. En plus, c'est un type ciseau, du coup. C'est pour ça. Petite pierre, celui que je venais de soigner en plus. Ouais. Wow, ça fait trop mal. J'ai eu 4 HP. C'est pathétique. Et là, je fais un claquement, tu vas voir sa tête, quoi. Oh. Bah ouais. La vache en machine, what? Oh putain! Ah, c'est un coup critique, mais la vache, ça fait mal. Bon, pas autant que. Ah, ça fait mal quand même, pour un niveau 7 contre 10. Et allez, un nouvel badge ou... C'est un badge qu'on gagne, c'est ça. 105 Schmeckles, une pierre plutonique. Cool. Et là, on va être téléporté, on va pouvoir soigner nos petits mortis et puis y retourner au combat. Cool. Donc tu vois, gagne 3 badges supplémentaires pour porter un prochain membre du conseil. Ok, c'est ça. Il pourrait se déplacer pour me laisser passer. Ouais, quand même. C'est pas moins des choses. Ah, on a... Ah, c'est Jerry. Rick, je t'ai cherché partout. La télécommande ne marche plus, je n'arrive pas à trouver une pile de rechange à la maison. Peux-tu m'en trouver une? Attends, on a des piles. Ah bah ouais, attends carrément, je vais lui donner un coup de main. Pile, on en a jamais trop. Enfin, je vais pouvoir regarder les épisodes de Show de l'espace que j'ai loupé. J'ai trouvé ce truc sur le canapé, ça doit t'appartenir. Ah bah cool, bah tu vois, en fait, il nous donne un objet en échange. Ouais. Why not? D'accord, c'est tout. Ok, bah d'accord. Non, c'est marrant, c'est pourquoi cool. Pas, ça rajoute un petit peu de contenu dans le jeu. Ouais. Et puis ça peut peut-être nous donner des objets de fou de temps en temps, je sais pas. Ouais. On va soigner nos petits Morty avec le fameux son qu'on adore. Yeah. Alors, eh ben écoute, j'ai envie qu'on y retourne, moi, j'ai envie de te dire. Je vais peut-être vous montrer comment on fabrique, du coup. Oui, fabrique. Une puce manipulatrice. Alors là, on a beaucoup d'argent, donc je voudrais juste voir ce qu'ils vendent. Qu'on a beaucoup d'argent. Genre les objets de personnalisation. Donc on a déjà Rick le blouson noir. Ah, c'est cool ça. D'accord, je savais pas. Et là on peut acheter du bois, des Rick à barre, Rick à quatre yeux, Rick au chaud, Rick à lierre, Rick à quoi. Ah non, là faut des tickets pour cela, oui, forcément. Ouais. Et là on peut acheter ça qu'avec de l'argent, c'est ça? Ouais. Mais tu as les trucs... Gratuits, t'entends. Des coupons quand je bats un membre d'arène. Et du coup, voilà, une puce manipulatrice coûte 500. Finalement, ouais, quand on a beaucoup de thunes comme ça, tout va bien, quoi. Ouais. Tout va bien. Ouais, tout va bien, en fait. Ouais, c'est facile en fait. Mec, qui trouve ça trop facile. C'est, ouais, c'est trop facile. Quoi. Non, mais au début, tu vois, je galérais, je disais ça va être chaud, tu te rappelles? On ouais, était vraiment dans la. T'es un peu en panique. Hein. Et en fait, non, en fait, quand tu pex, t'es. Alors, du coup, vous prenez une. Alors, on dirait petit de tuto, voilà. Vous prenez une pile. Vous prenez le fameux truc. Ouais, on l'avait déjà fait dans le dernier épisode. Un tube de jus turbulent. Paf. Ça nous donne donc. Le saupoudré de jus. De jus de tomate. Hein? Non, du coup, ça nous donne une pile surchargée, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça. Exactement. Et donc là, vous mettez votre pile surchargée. Vous avez laissé refroidir au frigo. Toujours, allez faire refroidir en moins 48 heures. C'est ouais. Un peu long, mais bon, en même temps, ça vaut le coup. Là, dans le jeu, voilà, c'est accéléré parce que voilà, c'est important. Vous mettez un circuit imprimé. Moi, j'en ai 3 quand même, donc au ça four? Va. Ah, non, ouais, non, tu mets pas au four. Hein, ça. La boîte de conserve. 4 minutes au micro-ondes, vu que c'est que du métal, ça fait des étincelles. Ah, donc oui. 4 minutes quand même à 800 watts, c'est assez beaucoup. Et là, vous avez une puce. Non, mais c'est cool, tu vois, du coup, on peut les fabriquer assez facilement. Oui, c'est pas. Et le but étant de collectionner beaucoup de mortis pour pouvoir faire des combinaisons. J'ai regardé un petit peu. Ah, donc, exact. On combine soit deux mortis identiques, soit des mortis différents. Et il y a des trucs super cool à faire. Genre mon morti avec la pub, là. Ouais. Si je trouve un autre morti qui a une autre pub différente, là, je peux faire un morti qui a une pub de Rick and Morty. Et je sais pas, il doit avoir des stats cool ou, bah, je sais pas exactement ce qu'il a de particulier. Mais en tout cas, c'est un autre morti. Donc, si tu veux tous les collectionner, gonna catch him all morti. Ouais. Ok, oh, un monde de cristal. C'est pareil, je l'avais pas vu celui-là encore. Oh, c'est cool. Parce que t'es retourné 2 fois sur le même? Oui, je suis déjà allé 2 fois sur le même quand j'ai. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On a. C'est le morti sauvage tout ça? Non. Ouais, c'est il y a le dresseur. Ah, je voyais pas le dresseur. Ah! Je crois. C'est beau le truc. Non, je voyais pas. Je pensais que c'était un truc de. Un item. Un décor. Non, t'en as un juste là. Je peux passer là. C'est un panneau. Il me verra plus, pas. En plus. Ouais, mais je veux pas. Parce que c'est le même. C'est le, ah, vrai. C'est le même Angry for Apple, ouais. L'autre, c'est. Je sais plus quoi, mais il est différent. D'accord. Il se reconnaît tout de suite, en fait. Là-haut, on peut passer ou. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Coïncidence? Je ne pense pas. So. Ok, donc là, si je passe là. Est-ce qu'il va me voir? Oui, il va me voir. Ah, il y a un... Est-ce que je me fais ce dresseur là ou ce dresseur là? Ah, il m'a pas vu. Ok, super. Donc lui, j'aimerais bien me le faire. Ah, il y a une boîte de conserve, c'est génial. Il y a beaucoup de dresseurs par contre. Ok, c'est bon. Hop. Alors, il est quoi lui?
C'est quoi? Ah, c'est Morty Autodéfense. Ah, c'est un pierre. Trash, Morty. Non, j'ai pas envie de le prendre. Ouais, j'ai pas envie de le prendre. Franchement, Non, j'ai pas envie de le prendre. Pierre. Ouais, ouais, ouais. Je peux déjà me faire le membre d'arène, bah c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais on va juste regarder si on peut se choper la boîte de conserve. Alors attends, hop, on va passer par là, par là. Non, on pourra pas. On pourra pas. Alors, est-ce qu'on se fait un petit combat là quand même pour se choper la boîte de conserve? Oh, il y a un Morty génial en plus. Lui, je veux ce Morty après là. C'est un Morty, t'as vu Morty. Les couilles, je me le veux direct. Je sais le nom, moi. Ouais, c'est. Oh, Morty Comic Cuisine. Ah, j'aimerais bien l'avoir sur les couilles. Excellent. Putain, il a 5 Morty. Bah oui, parce que t'en as. J'en ai pas 6. Hein. Ah. 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 Ça veut dire que les Morty ont pas de cuisine. Ah. Non, non, mais j'en ai 5 des Morty. J'en ai pas 6 des Morty. Non, mais c'est le maximum en fait. C'est maximum 5, tout à fait. Ouais, c'est pour ça. Mais pourquoi il en a 5? Par contre, je vais faire la malle. Hein. Ah, je sais pas. Je continue avec mon niveau 9, hein, mon Morty de base, hein, le légendaire. Pour essayer de le faire monter niveau 10, ce serait cool. Ah bah oui. C'est un peu mon Morty de base, hein, donc. Bam! Ouais, je suis bien au-dessus, tout va bien. De toute façon, il est niveau 5, ah bah ouais, d'accord, il a 5 Morty, mais ouais. Niveau 5. Quoi. Ah, c'est peut-être pour ça. Hein. Oh. Chemise bleue, ouais. Alors, j'ai vu si tu pouvais combiner. Chemise bleue avec genre chemise jaune, avec chemise rouge après, avec chemise machin. Il y a 5 combinaisons, je crois, de trucs. Et à la fin, t'as un Morty chemise multicolore. Trop bien! Il est trop classe. Ouais, il est super classe. Il a une espèce de chemise un peu. Un petit peu. Je sais pas, une chemise années 70 un peu. Ah! Trop cool. Mais elle est grave. Ah, donc il y a pas mal d'objectifs à ce moment. Il y a beaucoup. Si t'as envie de te faire tous les Morty, il y a vraiment beaucoup de trucs que tu peux faire. Pas mal. Exactement. Pour un jeu Android. Gratuit. Gratuit. Pas cher. Et bon, on les a tous battus avec notre Morty de base. Ce qui est plutôt cool. Ah non. Ah, il en reste un du coup. Putain, hein, ça. C'est long, hein. C'est mort. Voilà, en plus, on va pas le battre en deux coups, super. Est-ce qu'il va nous avoir? Tu peux? Je sais pas si on va réussir. Ah putain, 3. Oh, 2. Joli. Et un petit fléau tranquillou. Tout va bien. Au revoir, Morty chemise bleue. Tu as vaincu Prix. Oui. Alors, va choper ton Morty. Je vais d'abord choper la boîte de conserve. Et ils ont tous 5. Non, il en a 4 lui, tu vois. Et lui, il en a 5, tu vois, c'est un peu. Ah ouais, d'accord. Je le veux. Ah, il passe à travers mon Morty, c'est ça que je voulais savoir. Sinon j'aurais pu lui faire un truc. Oui, il est génial celui-là, je le veux, hein, c'est quoi? Morty Gazou. Je le veux direct, même si c'est un type pierre, je le veux direct. C'est génial. C'est clair. Okay. Et niveau 16 en plus. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Comme ton hippie. Est-ce que je tente de le capturer maintenant ou... Non. Non? Oh, lui, mais pas trop cher. Hein. C'est pour ça que j'ai pris Morty le pacifiste. Oui, mais les petits papiers. Je tente ou pas? Ça me fait peur. Ouais, moi aussi. Je t'avoue, ça me fait trop peur. S'il te plaît. Oui! J'ai vraiment un truc. Objet. Je le veux trop. C'est comme le gazeux, quoi. Trop classe. Je sais pas ce que c'est, mais. Il est marrant. Est-ce qu'il sent. Ah, on peut lui mettre une puce sur lui alors que c'est du gaz. Oui! Trop cool! Il est envoyé à la crèche. En fait, j'en ai 5. D'accord. Il est à la crèche. Très bien. Ah mais donc tu pourras aller chercher si tu veux, du coup, pour l'échanger, enfin le remplacer. Exactement. 130 Schmeichels, une pierre plutonique. Et un calme. T'as vu, il avait dit ton sac est plein. Ton sac est plein. Ton sac est plein, ton sac. Non, non, mais il avait dit ton sac est plein. D'accord. Tu vois, donc il y a une histoire. Et bah comme Pokémon, t'as une limite. Bah ouais, mais dans Pokémon... Comment ça se passe dans Pokémon? Ah, tu peux... Attends, mais comment j'étais allé à l'arène, moi? Au début, elle est au début. Elle est au début? Mais ouais. Je venais d'où? J'ai pas battu eux. Ah, je suis passé par en dessous. Ouais. Non, 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 elle était pas au début, l'arène. Non, non, non. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Bah, je sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je peux pas dire de bêtises. Elle est là, voilà. D'accord, ouais. Attends pour moi. Et je... Oh, c'est un Rick chelou. Un Rick chelou. Et bah, c'est parti. Le chelou Rick. Il a des chelous Morty. Mais il a que 4 Morty. Ouais.
Ah, on n'a pas vu le nom du Rick. Rick le Chauve. Ah, le Rick Veneux. Je voulais l'attraper et... Je me suis foiré. Claquement. Ben. Et puis je préfère attraper les mortiers avec vous, c'est plus sympa. Et avec toi. Ouais, mais niveau 8 quand même. Bah. Hein? Il y en a que 4, mais. Non, mais ça va, attends. J'ai beaucoup de sérum, je suis au top. Ouais, je suis meilleur. Un jour je serai le best dresseur. Morty venu confus, tout va bien, tu vois, on a à peine utilisé la HP 9. Ah, Rick la fraise, j'aimerais bien. Morty la fraise, pardon. Ouais. J'aimerais bien l'avoir celui-là aussi, parce que je le trouve trop mignon. Oui, il est trop chou. Avec sa petite bouche en 3 là. Ouais. En cœur, t'appelles ça, non? Ouais, bah. Ça, une bouche en 3. Ouais. C'est. Quand... Typique du dessin animé, ça. Exactement. Je l'ai mis deux fois sur l'habillage, d'ailleurs. Là. Là. Oui, exact. Là, au bout, là. Au... Oh la vache, j'ai trop du mal. Là-bas, au bout. Tout au bout, là. Attaquer, fléau. Mais vas-y, mais arrête de me faire des attaques comme ça, depuis tout à l'heure, ça... Oh jeez. Allez. J'ai fait changer, pas fait exprès. Non, j'ai fait fuir. Attends, mais qu'est-ce que... Oh, je panique. Faut arrêter l'alcool. Oui, ben ça va. J'avais besoin de m'hydrater. Parce que, à ce moment-là, on est correct. You showed him, Morty. Parfait. Il gagne beaucoup d'XP, c'est très cool. Il va être niveau 11, ouais, je pense. Ouais. Est-ce que je change ou je continue? Je vais changer juste pour Pex. Je vais mettre forcément mon Morty le pacifiste, parce que Morty le pacifiste, quand même... Il a besoin d'augmenter un peu son niveau. Exactement. Il est un peu à la traîne. Et toi, pour moi, il était niveau 6, et pas 7. On va donc changer maintenant. On va prendre notre petit Morty fourchette. Oui. J'aime bien Morty fourchette. Puis je vois bien, tu vois, planté dans l'espèce de fœtus, là, ouais. Tout à fait. Il est vraiment dégueulasse, d'ailleurs, ce Morty. Explosion. Bref. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ça va. Niveau 8, en plus, il a un type moindre. Je suis en faiblesse, moi. Oui, t'es en faiblesse. Bah oui, voilà, c'est ce que je dis. Bon, ça va, je fais quand même mal pour un type moindre. Un type moindre. Moi. Oh non, ça j'aime pas ça, un PV. Parce qu'il attend du coup de te mettre un peu cher. C'est ça. Parce que lui, il me fait des attaques forcément type papier, hein. Il est pas bête. Ok, donc il m'en reste 3 à battre. On va changer. Ah, mais c'était la cuillère. Il faudrait dire que je serais bien de pouvoir monter. Choper un cuillère. Choper un cuillère. C'est ce qu'on pourrait le combiner avec le fourchette. Ou alors c'est un couteau que vous pouvez donner avec fourchette, ça fait cuillère. Je sais plus. Mais non, je sais plus aussi avec leurs histoires de combinaisons à la con. Ouais. J'ai vu ça vite fait sur le net, mais voilà, je me suis pas non plus tout spoilé. On va retourner sur le publicitaire, hein. C'est un petit papier. Je prends le publicitaire. Angry for Apples. C'est celui qui l'augmente un peu. C'est vrai. You're true du cul. It's true. Donc pas trop mal, tout va bien. On lui envoie une marque. Bam, Louis Vuitton dans la gueule. Bam. Là je lui ai envoyé du coup Granny Smith, qui est pas une marque, hein, plutôt Pink Lady. Dolce Gabbana. Parce qu'il veut des pommes, donc Pink Lady. D'accord, donc ça foire l'attaque, c'est génial. Envoie-lui une Pink Lady, s'il te plaît. Arrête de me défoncer pendant que ça marche pas mes attaques. Merci. Non mais il est pénible aussi à force. Ah, et c'est bon, on les a battus. Ah oui, il m'en restait que deux à battre. Ok, nac. Parfait. Et j'ai un autre badge. Et j'ai des Schmeckles, et j'ai un sérum. Ah, c'est bien, on est bien. Surtout qu'on n'a pas utilisé de sérum encore sur les deux dimensions, donc... Ouais. Donc on est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Alors, c'est quand tu veux. Super, et eh ben, on va voir d'ailleurs où en sont nos investissements. Ils en sont à... Ouais, faut que j'attende 14 minutes et tout, mais bon, voilà. C'est très bien. Parce que l'émulateur, en fait, il suit la date du PC, donc quand tu reviens dans le jeu 24 ans plus tard. La crèche, elle est là où... Elle est à l'étage supérieur. À l'étage supérieur, mais on peut passer par là. Super. Là, voilà la crèche. Donc, normalement, je peux récupérer, du coup. Je vais changer mon deck. C'est dans deck Je pense. Ok, c'est pas ça. Non, c'est pas, c'est pas les decks. Sélectionne... Non, ah, pardon. Ah, tu penses? Sélectionne ton deck. Modifier. Je veux enlever le Morty le pacifiste. Et je vais mettre le Morty Gozo à la place, je préfère. Même si c'est encore un type pierre, ben, je préfère. Voilà, parce qu'il est... Je le trouve mieux au niveau du design.
Et voilà. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelque chose contre les hippies ? Non, c'est pas ça, mais il est cool le gazeux. Oui. Et du coup, je peux, dans le camp d'entraînement, par contre, entraîner mon passé. Attends, niveau 10 plus. D'accord. Modifier Mortise. Je peux mettre. Je comprends rien. Ah, je peux mettre que des 10 plus ? Non. Libéré. Ah, je peux mettre que des 10 plus. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, et bah je vais mettre le morti débraillé. Je vais mettre le morti débraillé. Ouais, je vais remettre le hippie. Commencer qu'en entraînement. Chiant. Chiant. Faut que je change d'abord. Mais what? Morti de braille, je retire. Je mets le morti pacifique, j'ajoute. Je machine. Je fais machin. Je fais. Ah, c'est super chiant. Et là, commencer le camp d'entraînement. Veux-tu vraiment envoyer morti en camp d'entraînement pour 24 ours? Ours? C'est pas traduit. Ils seront inutilisables pendant ce temps, mais ils reviendront avec plus d'XP. Bah oui, carrément. C'est cool ça. C'est cool en fait quand je m'arrête de jouer, du coup, je peux mettre tous mes mortis en camp d'entraînement. Bah, les niveaux 10 plus. Les niveaux 10 plus, du coup, comme il nous le dit. Ouais. Et on peut accélérer avec des tickets. D'accord. Et bah, c'est pas mal tout ça. C'est carrément pas mal. Tu peux te faire plusieurs decks quand tu as beaucoup de mortis. C'est ça. Oh, c'est vraiment pas mal. Ah, il est trop beau le morti gazeux. Il est vraiment magnifique. Bon, bah, super. Ah, j'ai une petite mission avant de se quitter. On va regarder ça. Ouais, le morti débile. L'idiot, pardon. D'accord. Oui, je vais te donner un objet qui restaure les PA. Pas de soucis. Augmente la moitié des PA d'une attaque, la pierre plutonique. Tu en as 10. Merci, je vais utiliser ça pour restaurer les PA. Tiens, prends ça, engage à notre amitié. Oh, c'est vraiment sensationnel. Cool. Très cool. Ça donne, je sais plus, genre 50 PV ou. Même plus que ça, 200. Même... Je 200, crois. Tu penses ? Ah, ouais, d'accord. Non, y a les... c'est plus les sérums purs, je crois. Ah. On peut vérifier tout de suite avant de se quitter. On va vérifier. On ne peut pas rester sur une question comme ça. Allez, 200, t'as raison. Et ben, en fait, le sérum pur ressort tout, en fait. D'accord, très bien. Bon, moi, c'est nickel. Eh ben, écoutez, cet épisode était vraiment cool parce que du coup, là, on a des nouveaux mortis trop bien. Ouais. J'adore mon gazole. Insérés, du coup, là, en bas. Exactement, ah, t'as tout compris. Au montage, le truc bien chiant. Et du coup, eh ben, on vous dit à très bientôt pour l'épisode 4 de Pocket Mortis. Et, ben, c'est cool, on est content. Ouais. Ciao les gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ah, vous abonnez, c'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Salut.